Alors, j'ai débugué pendant un petit moment et je sais pourquoi ça ne marchait pas. Il faut choisir le nombre de bits et le baud rate de la communication série en fonction de l'oscillateur. Et dans ce cas, il me semble que c'était un oscillateur 30 MHz, si je ne dis pas de bêtises. 80 MHz. Et donc, je ne savais pas très bien comment choisir, du coup j'ai un petit peu choisi au pif. Je savais, en fait, j'ai pas tout à fait choisi au pif, j'ai choisi en fonction de ça. Je savais, j'ai repris les paramètres de embed, 9600 de baud rate et 8 bits de data. Donc j'étais tout à l'heure en 7 bits, c'est pour ça que ça marchait pas bien. En fait, ça crée des erreurs. Et ces erreurs se cumulent, ce qui fait que ça crée un décalage entre émetteur et récepteur, et ce qui fait que des données passent, mais elles ne sont pas déchiffrées correctement. Donc, j'ai refait ça, j'ai exactement la même chose, et voilà ce que j'ai avec la communication série de l'Arduino. Donc là, c'est juste que ça se suit. Non, je ne sais pas si... S'il y a moyen de... Non. Tant pis. Sinon, quand j'active Docklight, voilà, ça me donne quelque chose comme ça. Pas besoin de remettre la communication. En tout cas, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour ce code-là. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et si je ne dis pas de bêtises, si je fais ça... Si je mets un espace... J'arrête la communication en espérant que ça va le sauvegarder. Oui, ça l'a gardé. Que je recompile. Hop. Ça va s'exécuter. Non, parfois ça fait juste pas attention au clic que je viens de donner. J'ouvre le port et je lance la communication série. Voilà, j'ai des sauts de ligne à chaque fois, c'est parfait. Ce qui devrait donner encore quelque chose d'encore plus propre sur le moniteur série. Parfait. Voilà, ça fonctionne. Du coup, c'est bien. Mais je vais quand même rester sur Embed pour la communication I2C parce que ça me paraît plus simple et parce que enfin je sais pas, peut-être que je reviendrai, je sais pas, je vais me renseigner. En tout cas, je suis bien content d'avoir fait fonctionner la chose. Voilà, maintenant vous savez, vous pourrez faire fonctionner.